scandaleuse. Alors attendez, nous sommes avec l'avocate des parents de la petite fille, maître Vanessa Edberg. Celle qui a mis la vidéo bien en sûr. Ligne. Bonjour maître. Bonjour. Est-ce qu'on a bien expliqué la situation? Est-ce qu'effectivement la petite fille avait déjà été tapée une fois, d'où les cris et les pleurs? Alors effectivement, la petite fille avait déjà, avec ses mots, alors il faut quand même remettre dans le contexte, il s'agit d'une petite fille d'à peine 3 ans qui vient de rentrer en petite section avec son langage de bébé. Elle avait déjà expliqué à sa mère que la maîtresse lui aurait porté un coup au dos. Sa maman a pensé qu'elle exagérait, elle s'en veut beaucoup d'ailleurs, hein, parce qu'elle n'a pas pris au sérieux les mots de sa petite fille. Et c'est donc après cette vidéo qu'elle a pu avoir confirmation qu'effectivement il se passait quelque chose de pas normal. Il y a aussi d'autres éléments anormaux qui avaient été relevés par la maman. La maîtresse fermait la porte à clé une fois que les parents partaient. Il faut aussi avoir conscience que tout cela s'est passé devant une maman qui était dans la classe. Alors je n'ose même pas imaginer ce qui se passe quand la maîtresse est seule dans la classe. Qui est cette maîtresse? On a une idée de son profil? C'est une nouvelle maîtresse? À ce moment, je n'ai pas d'informations sur la maîtresse. Elle a été suspendue? Elle a été suspendue, oui. D'accord. Mais quand vous récupérez, en fait, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que c'est une maman qui filme, hein, c'est ça? Exactement. Il y avait une maman qui est étrangère, qui était là avec son enfant, comme ça l'est parfois permis oui, en début, temps d'adaptation. Ouais. Exactement. Il faut encore avoir conscience que c'était non seulement une classe de petite section, mais c'était la rentrée des classes, donc leur toute première arrivée. La première journée. Et, voilà, donc dans le sanctuaire de sécurité que se doit être l'école. Et donc cette maman, très choquée de la scène, mais peut-être elle, ne connaissant pas vraiment les pratiques en France, puisque encore une fois, une maman étrangère, elle a filmé, on entend derrière qu'elle dit « c'est grave ». Voilà, donc... Et alors, vous allez faire quoi maintenant? Il y a une plainte qui a été déposée? Il y a une plainte qui a été déposée, la maman a réagi avec beaucoup d'intelligence. Donc quand elle a vu la vidéo, elle est partie chercher sa fille dans la classe, elle est sortie de la classe... Elle a absolument rien montré, rien dit, mais en sortant de l'école, elle a foncé au commissariat déposer plainte. Donc la petite a déjà vu un médecin déjà considéré que le préjudice psychique était sévère. Donc là, on attend d'être fixé sur, vous savez, c'est toujours chiffré pour le préjudice en ITT. Donc on attend d'être fixé sur. Quel est le motif de la plainte? C'est violence. C'est violence. Alors il faut savoir qu'ici, il y aurait 3 circonstances aggravantes, ce qui est énorme, ce qui porte la peine de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, car là, il y a 3 donc, circonstances aggravantes. La première, c'est que ça a été commis dans un établissement scolaire. Donc là, la loi, c'est les termes de la loi, hein, c'est même pas ni la jurisprudence ni source à interprétation. Donc première circonstance aggravante, c'est dans un établissement scolaire. Deuxième circonstance aggravante, c'est une personne vulnérable, donc une enfant de moins de 15 ans. Et ensuite, troisième circonstance, c'est une personne qui est chargée d'une mission de service public. D'accord. Merci, maître Edberg. Merci d'avoir exposé la situation avec les GG. Merci, maître. Docteur. C'est un peu glaçant, quoi. Je suis comme tous les parents. Moi, c'est pas le médecin qui parle. Là, c'est le père de famille qui a eu des enfants, évidemment, jeunes, qui depuis ont grandi. Mais on a tous vécu ces périodes-là de rentrée scolaire chez des enfants en bas âge qui sont extrêmement angoissés et qui peuvent, effectivement, comme ça... faire montre d'angoisse et donc de possible colère. Mais on les confie à des professionnels. Et on sait, je le rappelle, qu'il est interdit de frapper un enfant, y compris pour ses propres enfants. C'est répréhensible par la loi. Et que on ne calme pas un enfant par la violence. C'est une évidence, quoi, surtout à cet âge-là, surtout quand ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est évident que ce n'est pas en filant, passez-moi le mot, une torgnole, qu'on calme. Comme ça, une je voulais connaître le profil de cette maîtresse. Quand un enfant a perdu complètement, il est rentré dans une espèce de cycle comme ça de cris où il y a une perte complète de repères. Quoi. Le gosse, il ne s'appartient plus. Là. Il crie. Il faut au contraire le calmer, l'entourer, etc. Ouais. Donc voilà, oui, c'est glaçant. Après, on n'est ni des censeurs ni des juges. Donc c'est compliqué. Mais ce serait intéressant de savoir quel est le profil de cette maîtresse. Est-ce que elle vient de commencer, elle vient de débuter? Si elle n'a pas débuté, c'est-à-dire qu'elle fait ça depuis peut-être des années. Non, mais c'est le premier jour. Je crois qu'elle est elle-même, on peut le penser, en perte de repère face à la colère de cet enfant. Elle ne sait pas quoi faire. Donc est-ce qu'elle a vraiment de l'expérience, première chose? Et deuxième chose, comme le dit très justement l'avocat, et c'est ça qui est encore plus préoccupant, quoi, c'est que ça se fait sous les yeux d'un parent d'élève qui est présent en plus. Donc effectivement, on peut se poser des questions pour Barbara. La personne dans la classe. Barbara ?
Je ne sais pas si cette enseignante est une contractuelle qui vient juste d'arriver, si c'est une maîtresse qu'on a placée là alors qu'elle n'a pas d'expérience avec les maternelles. Il me semble qu'il y a des moments, il y a des classes particulières, des classes importantes. L'entrée en maternelle, la petite section, l'entrée en CP, c'est là qu'on, en général, normalement, on devrait mettre les professeurs les plus capés, les plus expérimentés, pour justement à bien accueillir les élèves dans ces classes qui sont des classes tournantes. Évidemment, l'entrée en maternelle, qui aujourd'hui, on le rappellera, est obligatoire, est un moment qui est parfois très facile pour certains enfants, qui au contraire sont super contents. Allez, au revoir, ciao papa, ciao maman, je m'amuse tout de suite. Et d'autres, des gamins qui... Si on peut me permettre, alors évidemment, là, on va me dire « ah, gna, gna, gna. Mais enfin, il y a aussi des parents qui ne préparent pas vraiment non plus leurs enfants à l'arrivée dans la petite section. Ça se prépare une entrée en maternelle, ça se prépare la séparation avec les parents, et vous avez des enfants qui sont tout de suite dans des expressions hystériques qui sont parfois, quand vous avez un enseignant qui n'est pas assez expérimenté ou qui lui-même... fait sa rentrée en ayant ras la casquette, ça peut arriver, va effectivement avoir des gestes qui sont inacceptables. C'est inacceptable de taper une enfant, ça c'est évident. Après, le fait qu'elle lui mette une petite bombe d'Evian sur la figure pour la calmer, là, personnellement, je ne vois pas là de la violence, parce qu'elle se dit, bon, je ne sais plus quoi faire, je vais lui mettre un peu d'eau sur le visage. Mais ceci étant, normalement, elle devrait avoir une ADSEM dans la classe. Oui. Normalement, hein, elles sont deux dans une classe de maternelle. Moi, je me rappelle et puis je connais les classes de maternelle. Il y a l'INSTIT et il y a l'ADSEM. Donc déjà là, elle est toute seule, il n'y a pas d'ADSEM. Où est l'ADSEM ? Sous-effectif chronique, évidemment, l'éducation nationale. Donc, elle est seule. Apparemment, les autres enfants sont très calmes, ils sont assis, ils regardent ce qui se passe. Je pense que si c'était une maîtresse qui a l'habitude des élèves et qui a l'habitude d'être violente avec les élèves, ça se saurait. C'est-à-dire que dans son passé, on saurait que c'est une maîtresse qui a déjà eu des plaintes. Là, on ne sait pas. Elle est suspendue de façon très rapide. Bon, sans doute que, de toute façon, le geste qu'elle a vis-à-vis de cette petite fille montre qu'elle n'est pas complètement professionnelle dans ses actes. Maintenant, moi, j'attends d'en savoir plus aussi. Je vous le dis très clairement, assez mal à l'aise avec le fait que ce genre de vidéo soit diffusée sur les réseaux par l'avocate. Je suis navrée, ça n'a pas à être diffusé sur les réseaux par l'avocate. Que cette famille porte plainte, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Que la maîtresse soit suspendue, aucun problème non plus. Par contre, que l'avocate elle-même diffuse ça sur les réseaux... C'est une valeur d'information, même floutée, moi, je trouve. Floutée. Non, c'est une pièce à conviction dans le cas d'une instruction. Dans ce cas-là, il ne faut jamais diffuser, par exemple, les vidéos de caméras de surveillance, des villes, puisque là aussi, on peut imaginer que c'est une pièce de conviction. Pourtant, Que cette institutrice soit sanctionnée, suspendue immédiatement, c'est normal. Qu'il y ait une plainte, c'est tout à fait normal. Et que dans la presse... Non, l'avocate peut très bien, dans la presse, expliquer qu'il y a eu des violences, etc. Mais le besoin comme ça de « on la croit parce qu'il y a des vidéos et parce qu'on va mettre en ligne la vidéo », personnellement, ça me gêne. Me gêne. Les parents n'ont pas à filmer dans les classes. Ça se gêne parce que c'est une prof. Non, mais pardon, quand on filme une racaille qui commet un hold-up, ça te gêne pas? Ou quand on filme un policier qui tabasse un autre jeune, parfois ça peut même aider à faire naître la vérité, parce que sinon c'est parole contre parole. Il y a une plainte, c'est un flagrant. C'est une maîtresse face à des élèves de 3 ans. Après, elle pourra compter ce qu'elle veut. La vidéo a été diffusée, je crois, avant qu'il y ait la plainte. Hein, puisqu'on te dit que la mère a découvert la vidéo. Donc, est-ce qu'elle l'a découvert une fois diffusée? Est-ce que c'est le parent d'élève qui a diffusé la vidéo dès le début? Voilà. Moi, je ne sais pas. C'est sur le compte X de l'avocate, de Maître Berger. Vous faites le débat dans le débat. Alors qu'en réalité, je pense qu'on assiste peut-être à un vrai fait de société. C'est-à-dire que j'ai de très bons souvenirs avec beaucoup de mes enseignants, mes instits. Mais aujourd'hui, le niveau de recrutement des enseignants, des instits a tellement baissé du fait du déficit d'attractivité, du déficit de rémunération sur ces métiers, que clairement, l'éducation nationale a recruté des gens qui n'ont plus la passion du métier, qui ne sont pas au niveau. Qui n'ont pas la patience, visiblement. Qui n'ont pas la patience. Et je crains que ce type de choses se multiplient dans les prochaines années. J'en parlais hier soir avec un ami. On a tellement baissé le niveau de recrutement dans notre école. Et je ne le dis pas pour les bons enseignants qui ont la passion. C'est aussi le problème dans les crèches. On va avoir de nombreux problèmes comme ça. Et tous les jeunes parents autour de moi sont angoissés à l'idée de confier leurs enfants
dans les crèches, dans les écoles, etc. Et si les jeunes parents perdent confiance dans des institutions comme l'école, ils vont faire quoi? Ils vont se tourner vers le privé. Il y a de plus en plus d'enfants qui cherchent des places dans le privé. Oui, parce que c'est limité à 20%. Sans parler du succès du hors-contrat. Le hors-contrat explose. Oui, mais oui. L'école à la maison. J'ai dans mon entourage des parents qui font l'école à la maison parce qu'ils ne veulent pas risquer ça. Alors même que l'État essaye d'empêcher ça aujourd'hui. Donc, je crains qu'on ne soit qu'au début d'une grande crise de l'école. Mais juste, un point, juste un point. Donc, c'est un fait de société pour toi. C'est, voilà, c'est pas un fait isolé. Il y a peut-être sans doute un problème ici qui est un problème grave de violence physique conduite par un enseignant. Maintenant, qu'on ne confonde pas la fermeté et l'autorité nécessaire des enseignants. Exact. Parce que vous avez aujourd'hui des parents qui prennent la fermeté et l'autorité des enseignants pour des violences psychiques sur leurs enfants. Non, mais il faut raison garder. Oui, oui, mais on connaît certains parents qui vont enchaîner avec la fermeté, c'est de la violence aussi. Je peux vous dire que cette vidéo avec les cris de la petite fille et puis la réaction de la maîtresse fait réagir au 32-16. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour, comment avez-vous réagi en écoutant et en voyant cette vidéo alors, Marie? J'ai poussé un cri de stupeur. Après, j'avoue que très vite, alors je pense que c'est les hormones, parce que je viens d'avoir un petit bébé il y a à peine 5 mois, mais les larmes me sont venues parce que je me suis mise dans cette situation. Donc à savoir que moi, là, mon fils va seulement rentrer à la crèche, je suis déjà en PLS, c'est-à-dire que je suis déjà à me questionner à savoir est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'il va pas avoir l'impression que je l'abandonne, est-ce qu'elles vont bien s'en occuper, si, surtout que j'ai des gens dans ma famille. Il vous en voudra toute sa vie. Oui. Non, je rigole. Non, mais en plus, c'est vrai que j'ai de la famille qui travaille dans les crèches, donc je sais à quel point c'est difficile, à quel point elles sont sous-effectives, elles sont pas considérées par les employeurs et par les familles, souvent, vous avez le droit à bon coloriage, ça va, c'est facile vos journées, alors que bon, ils supportent déjà pas les leurs, mais il faudrait, voilà. Mais là, je me dis, mais en plus, maternelle, elle vient de rentrer, c'est tout nouveau, il y a eu une semaine d'école. Je me dis, la petite, c'est déjà un bouleversement. Comment vous voulez ne pas la traumatiser avec ce genre d'attitude? Et en plus, vous vous dites, si elle se permet de faire ça, déjà, c'est facile de faire de la violence sur une enfant de 3 ans. Hein, j'aimerais bien voir devant les parents. Moi, personnellement, je suis pour le respect des institutrices et des instituteurs et tout ça. Mais si ça avait été mon enfant, je crois que je ne réponds plus de rien. Il vaut mieux pas que je la croise. Parce que je crois que là, Et se dire qu'en plus, elle fait ça en sachant qu'il y a une autre maman à côté, imaginez ce qu'elle fait quand il n'y a pas de parents. Mais c'est... Et quand j'entends, oui, mais c'est les nouveaux recrutements, alors non, vous ne devenez pas un site en maternelle aussi facilement. Au collège, certainement, pas en maternelle. Et moi, les anciennes générations, je l'ai connue. Hein. Là où j'ai grandi, il y en avait une qui était comme ça, maltraitante sur les enfants. Ma mère était à Tsem, donc elle la connaissait. Plus d'une fois, elle a dû faire du barrage à l'entrée parce que les parents voulaient lui tomber dessus tellement elle était maltraitante, d'accord ? D'une année à l'autre, il a changé de classe, ils ont fini par la sortir de maternelle pour la mettre en primaire, et comme il y a eu encore des histoires, ils ont fini par la mettre directrice pour qu'elle n'ait plus de classe sous sa responsabilité. C'est bien avec l'éducation nationale, on n'est jamais viré, c'est-à-dire qu'on est nul, non, mais on est maltraitant, mais on est même promu, on finit directrice. Ça, c'est formidable, non, mais votre histoire. Mais... Qu'est-ce que sa responsabilité? Mais Barbara le dit souvent, de vague. Mais même quand il y a des cas de maltraitance ou de mauvais comportement, là c'est pareil, on va mettre sous le tapis, on laisse, on... Ouais. Et c'est ça. Et je ça me dis, comment traumatiser à vie des enfants? Enfin, et moi je viens d'être maman, on vous dit à la maternité, si vous voyez que vous perdez pied, que vous n'avez plus la situation, vous sortez, vous prenez l'air. Enfin, il y a, comme disait Barbara, il y a la TSEM, on la voit pas là sur l'image, mais peut-être qu'elle est là ou qu'elle est sortie 5 minutes avant de rentrer, ou juste tu l'ignores, tu la mets dans un coin, tu l'ignores, t'attends. Mais on voit bien les autres enfants à côté en plus qui sont là, ils sont ahuris, un peu tétanisés, ouais. Ouais, ils sont totalement tétanisés. Mais c'est, après, je vais vous dire une chose, Marie, moi pour avoir mis tous mes enfants à la crèche, l'avantage de la crèche c'est qu'il y a du monde en fait, il y a plusieurs adultes, il y a pas un seul adulte avec des enfants. Oui, mais donc il y a quand même une autosurveillance, il y a aussi les parents qui sont oui, là, bon. qui viennent parfois même à des horaires différents, donc je trouve que c'est plus rassurant que quand vous confiez par exemple votre enfant à une nounou toute la journée, donc là vous ne savez pas ce qui se passe, il n'y a pas de surveillance. Si tu permets, alors, il y a les parents, Olivier, qui mettent des caméras maintenant, mais bon, c'est peut-être un peu excessif, mais à la crèche, le fait qu'il y ait plusieurs adultes, qu'il y ait plusieurs collègues, etc., ça, c'est quand même rassurant, on se dit, il y en a toujours un qui va non, pouvoir parce que intervenir. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec une nounou, mais alors la crèche, j'ai retrouvé ma fille mordue et j'ai retrouvé ma fille le crâne, le front complètement en
enfoncé. Et là, il y avait plein de... Mais ah, oh non, elle est juste tombée. Jusqu'à aujourd'hui, elle a la marque sur le front alors qu'elle a 14 ans. Donc, elle s'était vraiment mangé une rambarde en bois et elle était tombée plusieurs fois. Donc, c'est pas parce qu'elles sont débordées aussi dans les crèches. Dans les écoles, bah, l'instit, à mon avis, n'est pas formé ou bien elle-même va pas bien. Mais vous savez, elle peut très bien... On va pas lui donner une promotion non, et finir contre... qu'elle utilise des directrices. Non, mais par contre, qu'elle est une néo-titulaire soit mise en maternelle, en petite section, c'est très possible. D'abord, c'est la direction qui les affecte, c'est pas le rectorat qui vous dit vous êtes en petite section, c'est l'organisation de l'école. Si dans l'école, les autres, elles veulent pas être en petite section, et ben on dit à la première arrivée, ben, t'as pas le choix, tu prends les petites sections. Et donc là, vous savez, l'éducation nationale, on peut plus se permettre d'avoir vraiment le choix, hélas, parfois, entre des gens complètement compétents et des gens pas compétents. Hein. On n'en est plus là, hélas. Mais Marie, n'ayez crainte, hein, quand même, hein, Marie. Ouais. Mais oui. N'ayez pas peur. Ça se passe bien pour 95% des enfants. Marie, merci d'avoir été avec nous. Vous allez écouter le témoignage. Bonne journée, Marie. Vous allez écouter le témoignage de Marion. Bonjour, Marion. Bonjour. Comment vous avez réagi, vous aussi, en voyant cette vidéo, alors, ou en l'écoutant, dites-moi. Eh bien, j'espère que je ne vais pas pleurer à l'antenne. Mais j'ai vu les images ce matin et ça m'a vraiment énormément touchée. Ça s'entend encore, d'ailleurs. Je me suis un peu projetée parce que... Ma dernière qui a, je me suis trompée, pas 2 ans et demi, mais qui va avoir 2 ans et qui va rentrer l'année prochaine, ouais. Elle a beaucoup de caractère et elle a déjà fait ce genre de crise que la petite fille a fait. Et c'est vrai que sur le coup, on peut se sentir démuni, mais à aucun moment... Comment vous arrivez à la calmer, justement, votre fille quand elle fait des crises comme ça? Alors, comment vous y arrivez? Alors, si elle me rejette totalement, soit elle va voir son papa... Soit je la laisse se calmer toute seule dans sa chambre. D'accord. Si elle veut bien que je sois avec elle, j'essaye de... Souvent, je lui dis, allez, on fait un câlin. Et ouais. Alors, elle vient, elle me fait un câlin et souvent, elle se calme. Mais bien elle sûr. Est vraiment dans le même état de colère que cette petite fille. Et je me dis, si les enseignants auxquels on confie quelque part l'éducation en termes d'apprentissage, en plus de ce qu'on leur fait à la maison, ils ne sont pas capables de prendre sur eux, même si je conçois, comme l'a dit Madame Lefebvre, que leur métier est difficile. Je veux dire, je respecte aussi totalement les instituteurs, je n'ai pas une éducation laxiste, je suis fille de militaire, je suis moi-même militaire, donc j'ai une certaine rigueur et une droiture, mais en aucun cas, je n'accepterai que mes Bien enfants sûr. Soient maltraités à l'école ou par l'anonymat. Ah oui. Mais la violence n'est pas une méthode éducative. Une méthode et une solution. Pardon, mais l'autorité doit passer par d'autres moyens, même si ce n'est pas évident quand on est parent, parce que parfois on perd ses nerfs, on en peut mais plus. Mais ça, je suppose que vous parlerez à ce moment-là avec la maîtresse ou le maître à la maternelle en disant écoutez voilà ma fille a du caractère, elle peut comme on dit vous savez l'expression piquer des crises et vous en parlerez avec eux et ils sauront faire. On a la chance là où on est d'avoir une maîtresse qui est vraiment très compétente et qui a vraiment la foi en son métier si je puis dire et je vais bien sûr la mettre en garde mais je sais qu'elle en aura déjà vu des vertes et des pas mûres. Mais je vais la mettre en garde, mais je pense que ça se passera bien. Mais... Et puis votre fille, on la reconnaîtra facilement, parce qu'elle en treillit, c'est ça une famille de militaires. Vous avez dit quelque chose. La maîtresse, elle fait ce métier parce qu'elle l'aime, elle a la conviction, c'est ça le problème. Oui, c'est que c'est pas rien d'accueillir des tout-petits qui sont évidemment pas faciles à cadrer. C'est des bébés encore à 3 ans, hein. C'est pas des... Donc il faut quand même mettre des gens compétents face à ces enfants. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a des passerelles pour les mères de famille. Quoi. Quand tu as eu plusieurs enfants, tu as une passerelle pour devenir instit. Et donc tu as des gens sans formation. Et ce n'est pas avoir été maman. Ce n'est pas la même chose d'en avoir 25. Non, voilà. Non, comme si être mère permettait d'être enseignant. Ce n'est pas le même métier. Il y en a qui font de l'éducation, les parents. Et nous faisons de l'instruction. Des instits formés en 3 jours. Il faut tenir quand même 25 enfants.
parents. Hein. Et donc, non, ce sera vraiment contre, intéressant de voir vrai le parcours de cet institut. La petite section de maternelle, la maternelle, c'est un âge un peu particulier parce que, bon, effectivement, la maîtresse de maternelle, elle ne fait pas encore de l'instruction, elle fait de la socialisation pour que l'enfant puisse intégrer un espace qui est l'espace d'apprentissage. Mais on commence déjà les apprentissages en petite section. Donc, il faut aussi que les parents comprennent que, bien sûr, l'éducation, ce n'est pas du dressage. C'est-à-dire qu'on a, on ne dresse pas les enfants avec des stimuli négatifs. Hein. C'est d'ailleurs même les animaux, les chiens. Quand on voit certains éducateurs canins qui dressent des chiens par la violence, ben c'est pas comme ça que vous ferez obéir votre chien, bien entendu. Donc là, les enfants, c'est la même chose. On les fait pas obéir par le dressage. Donc c'est pas stimuli positif, t'as quelque chose, et stimuli négatif, on t'empêche. D'accord. Néanmoins, la fermeté est nécessaire aussi. Et quand vous avez une petite section où vous avez une vingtaine d'enfants et qu'il y en a un ou deux, parce que quand il y en a un qui commence à hurler, le deuxième commence à hurler, le troisième commence à hurler, là vous commencez à avoir l'entraînement. Et quand vous avez toute la classe qui hurle, bah, je pense que là, même un pas enseignant... Le cas, là, sur la vidéo qu'on a c'était vu, pas le cas, mais peut-être que cette enseignante, elle s'est dit, si je la tiens pas, elle qui commence à hurler comme ça, non mais je ne suis pas en train de cautionner, je dis simplement que cette femme a été dépassée, ça veut dire que soit elle n'est pas formée, soit elle a un gros problème psychologique, elle n'est pas faite pour ce métier. Néanmoins, la fermeté, même en petite section de maternelle, est nécessaire. Et moi, j'ai vu des instits, j'en ai eu moi-même et j'en ai vu. Voilà, tu restais assis sur ta chaise, tu bougeais pas, les mains sur les cuisses. Barbara. Aujourd'hui, non, non, je te dis juste une chose. Oui, mais aujourd'hui, on peut pas parler, fais asseoir des gamins sans bouger. Non, mais fais asseoir des gamins une demi-heure sans bouger, les mains sur les jambes, les mains sur les cuisses, sur comme nous on a fait. Et ben, t'auras des plaintes des parents qui te diront, vous n'avez pas le droit de laisser ma fille assise un quart d'heure les mains sur les cuisses. D'accord, mais la fermeté, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on a vu. La fermeté, ça peut être de les laisser assis. Mais non, la fermeté, ce n'est pas ce qu'on a vu. Ah ben non, d'accord. Chacun son tour, Baba. Tu as des profs ou des instituts qui ont d'ailleurs une autorité naturelle. On l'a tous dans la posture. Oui. Mais le fait de réagir à la colère par la colère, à la violence par la violence, c'est pas ça la fermeté. En fait, elle se met au niveau de la C'est précisément l'inverse de la fermeté. Je suis d'accord avec toi. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais on voit dans cette vidéo. Merci Marion, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Continuez comme ça, vous êtes top. Et n'ayez pas mais ça va bien se passer. Petite question à propos de la vidéo quand même. Pourquoi la mère la filme, enfin c'est pas la mère de la fillette, hein, c'est une... mais pourquoi elle n'intervient pas? Pourquoi elle ne va pas voir la maîtresse en disant écoutez, vous devriez peut-être agir différemment, etc. Bah si. Bah ouais, mais parce qu'aujourd'hui, face à quelque chose, tu sors ton portable. Quand il y a un accident, tu filmes, tu n'interviens pas non plus. Et Théo celui qui intervient, il risque sa vie. Bonjour Théo. Bonjour. Bonjour, bienvenue Théo. Vous êtes enseignant éducation physique sportive, c'est ça? Du côté des Vosges, comment avez-vous réagi, vous aussi, en voyant les images, en entendant ce qui se passe? Alors moi, je n'ai pas vu la vidéo, j'ai appris un peu l'information en vous écoutant ce matin, et en allant au travail, là je vais au collège, j'ai décidé de m'arrêter et puis de vous écrire, parce que j'ai une fille aussi qui a 3 ans, qui vient de faire sa rentrée scolaire, sa première rentrée scolaire, et... en tant que parent, déjà, on ressent quand même la difficulté pour... on va pas parler de traumatisme, mais pour un enfant de 3 ans de basculer de la crèche. La semaine d'avant, il était à la crèche, et puis là, elle bascule à l'école. C'est quand même quelque chose de difficile aussi, je pense, à cet âge-là. Il y a des repères qui sont totalement bouleversés. Mmh. Et moi, ce qui m'interpelle quand même fortement, c'est d'entendre que... Alors, l'enseignante, elle est en tort. Enfin, j'ai pas vu la vidéo, mais de ce que je peux comprendre... elle a très mal agi, mais ce qui m'interpelle fortement aussi, c'est le fait d'entendre qu'il n'y a pas d'ATSEM qui est en soutien de cette enseignante. On ne sait pas où est l'ATSEM à ce moment-là, oui. On ne la voit pas sur l'image. Donc c'est ça qui me... Elle était en train de s'occuper d'autres enfants, parce que la classe me paraît relativement vide. Enfin, il y a quelques enfants, mais... Elle est en train de les enfermer dans le noir, dans une pièce à part. Elle s'occupe peut-être des autres. Un cachot. Voilà. Non, c'est ce que je voulais aussi. Ce qui m'interpelle, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser une enseignante avec des enfants de cet âge-là toute seule. À certains points. Oui, enfin, ça ne peut pas être une excuse, parce que je suis désolé, mais ça veut pas être elle est censée aussi. Quand j'entends qu'il y a certaines classes qui sont dépourvues d'ATSEM, ça me fait presque froid dans le dos, parce que justement, quand on voit la difficulté que c'est, justement, même déjà avec. Avec des ATSEM, des fois, il en faudrait même plus. Théo, vous avez raison, où était l'ATSEM? Est-ce que ça vaut action en justice? Est-ce que ça vaut dépôt de plainte?
parce qu'on a eu l'avocate, Maître Edberg, par les temps qui courent, tu vas voir, qui nous va explique. Tomber, elle. Oh, ouais, ouais, mais tu vois, alors, je suis pas convaincu que ça aille très loin ou ça, ça donne lieu à procès ni rien. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'il peut pas plutôt y avoir, tu vois, alors l'avocate, comme tu disais, a publié la vidéo, mais normalement, ça se règle dans le bureau du directeur ou de la directrice. Non, tu en parles. Alors aujourd'hui, à l'éducation nationale, tu essaies de faire quelque chose à l'amiable, mais là, maintenant, c'est vraiment parce que pendant longtemps, ça s'est rien réglé à l'amiable. Excuse-moi, mais on est passé, Barbara, on est passé d'un excès à un autre. Je suis d'accord avec toi. Peut-être que la judiciarisation n'est pas une bonne chose, mais pendant très longtemps, c'était la loi du silence, l'omerta, et tu n'avais rien le droit de dire. Et on, et la prof, bah oui, était mutée quand il y avait des faits de violence. On ne virait pas. Donc peut-être qu'il était. Voilà. Là, la machine. La machine est lancée puisque la vidéo est publiée et la ministre réagit dans les 24 heures. Comment veux-tu que ça se règle dans le bureau de la directrice ? Olivier, tu as raison. On est passé très largement dessus. Mais on n'est plus dans l'école des années 50 où on chicotait, ou comme ça peut se passer dans d'autres pays, où on chicote les enfants, etc. Surtout, on disait mais rien. On ne doit pas, excusez-moi, et là-dessus je suis absolument ferme, bien entendu, il ne peut pas y avoir aucune violence physique ni aucune violence psychologique, mais je suis désolée, on ne va pas non plus tomber dans le monde des bisounours où lorsque des élèves te parlent mal, sont insupportables, sont mal éduqués, toi, on te demande la bienveillance, le sourire d'être toujours au top du bonheur. Non, je suis désolée, l'école, c'est aussi l'apprentissage de la vie en société. Oui. La vie en société, c'est des règles que tu n'as pas faites et que tu acceptes. Donc, tu ne frappes pas les enfants, tu ne les maltraites pas psychologiquement, mais tu respectes l'autorité de l'enseignant et la fermeté. Et l'extrême judiciarisation et les parents qui te harcèlent de mails et de plaintes et de toute la journée, ça aussi, va falloir retrouver un équilibre. Voilà. Allez, dans un instant, avec les... merci à Théo d'avoir été avec nous, Marie, Marion, Théo, qui ont participé à nos débats au 32-16. Dans un instant, avec Barbara Lefebvre, avec Antoine Dierce, avec Jérôme Marty. Le on s'en fout pas. Et tiens, puis un dernier petit salut à mon instit que j'ai retrouvé cet été à Nice, 94 âmes sur le bord là. Et qui t'en avait mis des torgnoles ? Non, il mettait pas de torgnoles, mais il avait un grand bâton en bambou. Il l'utilisait simplement sur le bord, le rebord de la table, comme ça. Ah oui, ça pour menacer. Et c'était un super instit. Il a 94 ans et il a survécu à toi, en fait, quand même. Pas mal. Allez, suite des jugés dans un instant. RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.